période de questions, la période d'échange finalement. Donc s'il y a des questions, peut-être demande si ça s'adresse à tous les conférenciers, le dire, ou si ça s'adresse à un conférencier en particulier aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Aucune question dans la salle? Oui. Pardon. Faut parler fort. Oui, c'est une question en fait plus tout le monde. Je voulais juste savoir de votre point de vue personnel sur votre organisation de chercheurs, comment vous voyez le rôle de la science et des scientifiques pour l'action politique? Laissez-la. Ok, bah, je peux parler. Bah, vas-y, toi, comme organisation, tu peux parler comme pour le CERF. Mais en fait, pour moi, il est fondamental. Les scientifiques, les chercheurs doivent éclairer les politiques publiques. Pour moi, des bons politiciens doivent s'alimenter des meilleures recherches, en fait, les plus rigoureuses. Et je pense que c'est ce qui fait une grande différence aussi entre le gouvernement précédent au fédéral et celui qu'on a aujourd'hui. Je dirais que de ce que j'ai pu observer, parce que le CEPAD est en lien avec différents acteurs gouvernementaux sur différents paliers, je souhaiterais clairement voir davantage de préoccupations scientifiques du côté du gouvernement actuel à Québec. Je pense qu'on a un rôle à jouer là. Peut-être qu'il faut qu'on fasse passer notre message autrement, que d'envoyer une étude scientifique telle qu'on les produit n'est pas suffisant, qu'il y a un travail de vulgarisation aussi à faire. Et je pense qu'un bon vecteur pour ça, c'est les médias. Et d'autre part, les organisations de la société civile aussi, donc qui peuvent être des courroies de transmission entre les scientifiques et les décideurs publics. Oui, après, je voudrais souligner tranquillement, pas vite, une chose qui se passe. Il y a des agences fédérales qui mettent plus l'emphase pour développer faire leur propre recherche, mais ils vont plutôt s'associer avec les universités. L'avantage, évidemment, c'est que nous, en tant que professeurs d'université, on peut parler beaucoup plus que des chercheurs qui travaillent pour des organismes gouvernementaux. Alors, le groupe à Saint-Hyacinthe que je dirige est un partenariat entre deux agences, en fait, fédérales, santé publique et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et eux, comme tels, il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire par rapport à nous au niveau universitaire. Alors, de voir que le gouvernement, puis ça a commencé même avant l'ère Trudeau, là. Ça a commencé même sous Harper, ce qui est assez remarquable. Et ça, je pense que ça va être intéressant parce que en mettant l'emphase vers le développement de la recherche au niveau universitaire, nous, notre mission, c'est le transfert de connaissances. Alors, on ne peut pas nous arriver et dire, ben là, vous faites de la recherche, mais il ne faut pas en parler. Je veux dire, ça n'a pas de sens, ça. Alors, on les encourage à aller dans cette direction-là, puis ça risque de nous permettre du moins de communiquer encore plus avec la communauté, avec les gens. Puis s'il y a un mouvement un peu comme on en parlait de individuel puis collectif d'action, ben tout ça, c'est positif. Là. On a une ministre de la Science maintenant au Canada qui est une scientifique quand même incroyable. Kirsty Duncan, qui est non seulement une scientifique, mais une scientifique qui a travaillé sur les impacts des changements climatiques chez les populations du Nord. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que nous avons eu des ministres de la science sous le gouvernement précédent qui étaient des créationnistes. Le chef de cabinet de Lone Ambrose était un créationniste. Alors, on émerge d'une espèce de grande noirceur, mais je rejoins Laure sur l'importance de faire connaître. Donc, la recherche scientifique, elle est cruciale, elle a été très, très, très importante. Notamment au niveau international, on a vu les rapports du GIEC très suivis, qui ont beaucoup influencé le processus de négociation, mais cette science-là est importante aussi au niveau national et fédéral et provincial, mais de trouver des façons de la faire connaître, de la vulgariser. Même si nous ne sommes pas des organisations scientifiques, nous pouvons être des espèces de porte-voix pour cette science-là, parce qu'on a bonne presse, parce qu'on a accès à beaucoup de gens, les médias sociaux. On n'est pas, je parle pas nécessairement d'équitaire en tant que tel, mais des organisations comme les nôtres. Alors, des partenariats, la Fondation David Suzuki, par exemple, a un conseil scientifique, une alliance très, très clairement exprimée avec la science et l'importance de la science. Donc, on a une autre question. D'abord, merci. Moi, je trouve que ça termine notre année académique en toute beauté d'avoir un séminaire de ce auteur-là.
Peut-être une petite réflexion, puis une question. L'histoire que Stephen Guilbeault a racontée, je pense qu'elle est importante à garder en tête. Il y a eu des améliorations qui se sont faites sur une période relativement courte, peut-être longue pour vous, mais courte historiquement. Puis je pense qu'on est à un point tournant. Moi, il y a des matins, je me lève, puis j'aimerais pas ça qu'Équiterre disparaisse. T'sais, on peut pas imaginer notre horizon sans certaines institutions aujourd'hui qui ont pris naissance dans, disons, les deux dernières décennies. Fait que cet effet-là de transformation, d'institutionnalisation, ça, c'est des choses que nous, en santé publique, comme chercheurs, on peut examiner, étudier, élucider, parce que c'est des mouvements qui viennent chercher la participation citoyenne puis qui est importante en santé publique. Ma question, dans cette transformation-là institutionnelle, moi, ce que je perçois de l'extérieur, là, au-delà du fait que vous êtes devenu un personnage dans Gérard et la Flaque, important sur le plan de notre culture, je trouve qu'il y a davantage d'analyse économique aussi. C'est fait que je pense que l'acteur économique qu'on est allé chercher, vous mentionnez les investissements, le capital, la façon d'éviter des risques dans les investissements financiers commence à prendre le facteur changement climatique. Donc, ce serait quoi vos réflexions, là, vous trois, sur quelle est la part de l'analyse économique dans ce genre de travaux-là? Puis est-ce qu'on arrive à harnacher correctement nos économistes? Vous avez raison qu'on a, certains nous le reprochent, nous on estimait que c'était nécessaire d'être capable de développer un discours qui n'est pas seulement économique, mais qui est en partie économique. Équiterre vient d'ouvrir un bureau à Ottawa, notre directrice des affaires gouvernementales est une économiste de formation qui a été fonctionnaire à Santé et Environnement Canada. On ne l'a pas choisi parce qu'elle était économiste, mais c'est certainement un plus. Mon observation, c'est que pour l'ensemble des décideurs, la nouvelle économie dont plusieurs d'entre nous, Laure en a parlé, j'en ai parlé un peu, c'est encore perçu un peu comme du folklore. La vraie économie, c'est encore pour beaucoup le pétrole, le gaz naturel, les ressources naturelles. Je pense qu'on le voit bien au Québec, là, le plan Nord, puis bon, le pétrole, pas pétrole, gaz de schiste, pas gaz de schiste, mais... Et pourtant, l'éolien au Québec, c'est 5000 emplois. Des bons emplois, bien payés, dont près de la moitié en région. On a revitalisé une bonne partie de la Gaspésie grâce à ça. Mais pour nos décideurs, c'est folklorique. Alors, je pense qu'il y a tout un exercice encore à faire à la fois de réflexion, mais d'éducation auprès de ces gens-là. Je pense que ce n'est pas tant la population là, qu'on a besoin de convaincre. Parce que quand on fait des manifestations, les 300 000 personnes y arrivent avec leur petite éolienne, puis leur dessin de panneaux solaires. Puis je pense que intuitivement, sans être des experts, les gens ont compris. Je pense que nos décideurs, eux, n'ont pas encore compris. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous pareils, là, mais que de façon majoritaire, ils n'ont pas encore compris. Merci pour ta question. Si je peux juste ajouter quelque chose, je pense qu'on a vraiment un gros travail de décolonisation mentale à faire en matière d'économie, parce que bon, moi, j'ai fait mon doctorat sur l'émergence d'une économie écologique et sociale au Québec, donc je suis plus du côté de la sociologie économique. Je ne suis pas économiste et je m'intéresse plus à l'économie hétérodoxe qu'à l'économie néoclassique, vous vous en doutez. Mais on a besoin de redéfinir le terme économie, on a besoin de redéfinir le terme richesse d'ailleurs. Hein. Si je vous pose la question, quelle est votre plus grande richesse, qu'est-ce que vous allez me dire? La santé. La santé, probablement, on s'y attend de la part des gens de ce milieu-là. Quand je pose cette question-là en conférence, on me parle de la famille, on me parle des amis, on me parle de la sécurité, des droits humains, on me parle de plein de richesses, en fait, la qualité de l'environnement, qui n'entre pas dans le calcul de notre principal indicateur de richesse, qui est le PIB. Donc, il y a un problème au niveau de ce qu'on utilise comme boussole pour prendre nos décisions aussi. Et il faut le dire, et on a ça fait longtemps qu'on parle des enjeux liés à ce mauvais indicateur-là, on a des alternatives, il y a des scientifiques qui sont posés là-dessus, où justement la dimension santé est très présente. Je pense même à l'OCDE qui a développé l'indice du mieux-être. Donc je pense que ce constat, quant à l'origine économique de beaucoup de nos problèmes liés à la santé, à l'environnement, aux droits humains, aux inégalités, tout ça, il est clairement là. Maintenant, comment est-ce qu'on se réapproprie ça, à réaliser que l'économie est une construction sociale, comme je disais, qu'on peut changer les institutions, qu'on peut mettre en place des mécanismes qui permettent
d'orienter des décisions sur d'autres facteurs que simplement le profit à court terme. C'est fondamental. Ça, je pense que c'est une question qui est vraiment centrale. Il faut oser la mettre de l'avant. Il faut oser faire les liens entre les différents les enjeux si on veut pouvoir continuer à produire la vraie richesse, la vraie prospérité. Ça, je tiens là un petit point. Là, au niveau international, la problématique, c'est que l'économie joue, mais les décideurs sont souvent assujettis plus qu'autre chose. On le voit, le point de vue des grosses compagnies comme Monsanto et tout ça, qui peuvent littéralement acheter des présidents de pays, des choses comme ça. Alors, l'économie, oui, c'est quel que soit l'endroit où on est, c'est important. Mais moi, je dirais que par rapport aux problématiques qui m'intéressent, c'est vraiment au niveau international que je vois qu'il y a de l'action à faire parce que présentement, l'économie contrôle les décideurs avec des conséquences qui vont être spectaculaires dans les années à venir, là, comme tel au niveau nutrition et santé publique. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose en lien avec ce que vous dites? C'est que souvent dans la tête des gens, ça je l'ai vu quand je faisais ma recherche terrain à travers le Québec, quand on dit économie, les gens pensent nécessairement économie privée et ne voient pas le rôle de l'économie publique ni le rôle de l'économie sociale qui génère pourtant énormément d'emplois, qui génère énormément d'activités économiques aussi. Je me rappelle dans le réseau de la santé, vraiment dans une région très reculée du Québec, le principal employeur, c'était le centre de santé et des services sociaux, très, très clairement. Et quand je posais des questions sur l'économie dans mon entretien, ils ne se voyaient pas comme un acteur économique. Pourtant, principal employeur, principal même consommateur au niveau des ressources, quand on pense à toutes les CHCLD, tout ce qui relève de ça, donc de se réapproprier l'économie, de se voir comme acteur. Quand je parlais d'acheter, c'est voter, il y a bien longtemps, je le dis encore, mais moins qu'avant. Mais c'est ça aussi, c'est de réaliser qu'on est tous des acteurs économiques et qu'il n'y a pas que le choix individuel, il y a les choix collectifs, il y a ces institutions économiques qu'on crée. Et merci beaucoup. Ouais. On a on a déjà des questions en liste d'attente. Okay. Oui. En première conférence, vous avez parlé de l'impact des changements climatiques sur la santé et vous l'avez fait par les maladies infectieuses. Là, vous venez de parler de la nutrition. Je me pose la question si c'est le plus important impact prévisible, celui des maladies infectieuses, ou si c'est... Donc, fallait montrer un exemple. Bien, ça dépend où vous êtes. OK? Au Québec, dans les pays du Nord, on va être en mesure d'atténuer énormément les impacts associés au changement climatique de plusieurs façons. OK? On va jouer avec la génétique au niveau des animaux, au niveau d'un tas de choses, et on ne va pas avoir d'un problème nutritionnel ou autre. Il n'y aura pas de crise. Du moins, pour les prochaines décennies, on ne voit pas ça. Mais au moment où on se parle, là, il y a des endroits dans le monde, en particulier en Afrique, en Asie, où il commence à avoir des impacts majeurs. Okay? Et le problème, c'est que c'est tous des vases communicants. Là. Vous le voyez avec le problème de migration actuel. Ça se passe où? Ça se passe pas en Ontario, ça. Là. Ça se passe en Syrie et ailleurs. Ça n'a rien à voir, là, mais il reste que ça nous arrive jusqu'ici. Bien, quand on va avoir des millions de personnes qui meurent de faim, puis au fait, là, au moment où on se parle, on produit assez au niveau de nourriture, autant animale que végétale, pour nourrir 12 milliards de personnes. On est moins de 8 milliards. Ça veut dire que s'il y a du monde qui crève de faim, là, c'est parce que politiquement, on n'a pas la volonté de faire les choses. Et ça, on voit que c'est ce qui se passe. Alors, est-ce que les maladies infectieuses sont très importantes? Pour nous, au Québec, ça n'a jamais été, ou du moins dans les dernières années, à cause de notre richesse comme telle. En premier lieu, on pense plus cancer, on pense problèmes cardiovasculaires, surconsommation, embonpoint, etc., comme étant majeur. Je ne dis pas que les maladies infectieuses vont déplacer ça, là. Mais il reste qu'il y a des problèmes maladies vectorielles, entre autres, qui n'étaient pas sur notre radar, qui maintenant apparaissent. Fait que ça veut dire que vous allez vous promener en Montérégie ou même sur l'île, dans grand herbe, dans des forêts,
peut-être faire attention si vous êtes en short, là. T'sais, c'est des problématiques, des choses qu'on ne considérait pas avant. Ben, ça, c'est une nouvelle réalité, mais c'est soft par rapport à ce qui va se passer ailleurs dans le monde. Tu vas finir par nous aboutir dessus, comme tel. On va prendre une autre question. Oui, bonjour, bonsoir. Avant tout, je suis profondément scientifique, mais ma question, elle intervient juste après l'actualité, là, professeur Hilborn, je pense, de l'Université de Washington, qui on vient de dévoiler que son fonds de recherche en sciences maritimes est financé par les grosses industries de la pêche. À quel point, vous, qui, on vient de parler de la science pendant une heure, là, à quel point on peut faire confiance à la science pour faire changer les choses, étant donné que l'économie maîtrise très bien la science, et très bien la science du comportement aussi, pour nous manipuler un petit peu à l'échelle des politiques et des gouvernements. À quel point vous faites encore confiance à la science pure, dure, qui fait des analyses sur les changements climatiques, pour lancer des actions concrètes? Peut-être, comme vous le savez, en tant que scientifique, on peut vraiment se fier à une étude ou un chercheur, ou alors il faut regarder un portrait général, et c'est généralement ce qu'on fait. C'est ce que fait le GIEC, par exemple. Donc, on fait une revue de la littérature et c'est là où les portraits commencent à émerger. Alors, nos organisations vont généralement faire très attention de se fier à une seule étude qui arriverait à une conclusion qui est totalement différente de ce que tous les autres disent, que ça fasse notre affaire ou non, par exemple. On essaie d'avoir un portrait plus général, de voir que dit la communauté ou l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur un sujet donné. Et ça devient assez évident assez rapidement quand la recherche est éligibilité. Peut-être pas toujours, mais en tout cas certainement dans le domaine, par exemple sur la science du climat, on sait que les chercheurs qui sont contre, qui contredisent, on a fini par trouver qu'ils étaient à peu près tous financés par l'industrie pétrolière, par l'industrie du charbon. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose de très inquiétant. Dans mon domaine, là, énergie, climat, combustible fossile. Peut-être que dans d'autres domaines, c'est plus problématique. Ben, moi, je trouve... Ben, lui, ouais, moi, j'ai de l'argent qui vient du privé, OK, et des gouvernements. J'ai USDA qui m'envoie en Afrique là, en fin de semaine, OK, gouvernement américain. Je pense que ce n'est pas un problème dans la mesure qu'on dit, qu'on est ouvert, puis qu'on dit voici, voici ce que je fais et pourquoi je le fais. Puis je suis très d'accord avec M. Guilbeault. Quelqu'un qui partirait là, comme militant hardcore à partir d'une étude là, va être déçu dans la vie. Là. Parce que je pourrais vous montrer des études qui démontrent qu'il n'y a pas de lien entre fumer des cigarettes et puis le cancer du poumon. Ça existe, ça. Il y en a eu, tu sais. Je veux dire, il faut regarder ça dans son ensemble. Et puis, je pense que les politiciens, ceux qui regardent ça sérieusement, le moindrement, même s'ils ne sont pas scientifiques, ils vont quand même avoir des consultants qui vont regarder ça d'une façon globale de même. Et puis, ceux qui sont vraiment là, super biaisés, tu sais, on les connaît. Je veux dire, c'est pas des grosses tours. Mais je trouve quand même que c'est une question super intéressante et pertinente, particulièrement en ce moment où on voit les gouvernements, ben, moins maintenant au fédéral, mais en tout cas un certain temps, se retirer du financement. Donc, avoir de la recherche indépendante, il n'y en a pas tant que ça. Puis, si on regarde le financement des chaires, nous, on a plusieurs chaires qui sont membres du CIRA, ben, ils sont financés aussi par l'industrie, beaucoup d'entre elles. Donc, la question de la transparence, elle est fondamentale. Dans la publication d'articles scientifiques, je me suis intéressée au secteur pharmaceutique et agrochimique pendant un certain temps aussi. Et là, on peut voir à quel point il y a de la manipulation aussi de données, même quand on fait des revues de littérature, quand la majorité des recherches sont financées avec une certaine orientation ou que les chercheurs signent des contrats de confidentialité et les données sortent uniquement s'ils sont en faveur de l'intérêt économique de l'entreprise. Je veux dire, ça, il y en a et le public n'est pas au courant. Et quand tu fais une revue de littérature, ça paraît pas. Fait que moi, je trouve que c'est une question qui est importante à garder en tête quand on utilise la science. Et pour vous dire aussi,
l'instrumentalisation de la science, vous le savez sans doute, mais elle est de part et d'autre, là, je veux dire, et de la part d'organisations de la société civile, d'acteurs gouvernementaux et autres. On veut avoir des données qui correspondent à notre discours. On est mal à l'aise avec des données qui vont à l'encontre de ce qu'on défend depuis des années des années. Je l'ai vu lié au commerce équitable, par exemple. Même quand j'étais actrice, ben là, il a fallu que j'aille fouiller pour voir, puis après ça, voir quels étaient les intérêts derrière aussi et le manque de transparence. Mais je n'étais pas contente que cette étude-là, alors que si l'étude avait été en faveur très précisément, j'aurais dit « right », je ne me serais même pas questionnée sur la source parce que ça allait dans ce que je croyais. Donc, toute la question, on est tous empreints d'une posture idéologique qui oriente ce vers quoi on va. Puis je pense que d'en prendre conscience et d'être transparent, ça devrait être une règle d'or pour les chercheurs comme pour quand on utilise la recherche nous-mêmes et pour les acteurs de la société civile, les gouvernements. Et je parle beaucoup, je m'excuse. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. On a déjà dépassé l'horaire, je suis désolé. Monsieur. La question est dans le même sens, de savoir c'est quoi votre réaction positionnement par rapport au financement ou à la collaboration avec l'industrie. Ce que moi je vais ajouter, par contre, c'est que pour les organismes communautaires, le fédéral exige 50% de financement du privé. Et donc, il faut aller cogner aux portes des industries pour aller chercher cet argent-là parce que le gouvernement va subventionner l'autre 50% si on a 50% du privé. Donc, ça vient colorer nos interventions, ça vient aussi colorer notre discours. Puis même dans certains cas, ça peut être un baillon parce qu'on ne pourra pas aller sur la place publique dénoncer l'industrie qui nous a financés. D'accord. Mais puis d'ailleurs, en tant qu'universitaire, j'ai été professeur dans trois universités différentes. J'aurais dû dire dans trois pays différents. J'étais en Ontario, aux États-Unis, puis ici. Je peux vous dire qu'il y a privé et privé. Le privé, ça peut être un organisme communautaire, puis ça peut être Monsanto. Là. C'est pas tout à fait la même affaire, OK? Ça, c'est une chose. Oui, du financement du communautaire, on s'entend que... Ben, zéro, c'est pas raison qu'on l'apprend non plus. Non, je sais bien que c'est pas la majorité, mais les institutions ont des politiques. Quand j'étais aux États-Unis, on a souvent eu cette problématique-là. Il y avait des compagnies qui arrivaient et disaient, ben justement, on va faire de la recherche, mais si les résultats ne sont pas comme on veut, on va avoir droit de regard. Okay? Les institutions, regardez pour chaque institution, ils ont des politiques là-dessus. La seule exception que j'ai vue aux États-Unis, où j'étais à NC State, c'était de la recherche pour militaire. Okay? C'était très minime et j'ai vu l'université laisser des millions de dollars sur la table parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le droit de regard qui était exigé. Ça veut-tu dire que ça se fait partout? Non. C'est certain. Mais d'un autre côté, je vous dirais une chose. Les universités, là, c'est bien beau se promener et dire, j'ai entendu parler, là, une des leaders là, dans le temps des Carrés Rouges, que le privé devrait avoir rien à voir avec les universités puis tout ça. On veut bien croire, mais qui c'est qui paye pour ce que vous voyez ici, là, incluant nos salaires? Je veux dire, il y a une partie, c'est le gouvernement, mais il y a une limite à payer aussi. Puis pour faire de la recherche, à un moment donné, ce qu'un professeur d'université fait, là, c'est qu'ils disent en anglais « we follow the money ». Soyez-en conscients, si vous voulez mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il investisse plus, pour qu'on ait moins le goût d'aller au privé, moi, je suis 100% d'accord. Mais en attendant, là, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais suivre l'argent. Puis la seule limite que je mets, là, c'est que si maintenant Trump devient président, là, je ne répondrai plus aux Américains. Mais à part de ça, bon, merci beaucoup. Le temps est écoulé, malheureusement. Je vous invite peut-être à remercier nos trois conférenciers. Ça n'est pas au séminaire de l'IRSCOM pour l'année. Non, il y en a encore. Excusez-moi, vous allez recevoir les informations par courriel.